tard, à partir de 7h, notre deuxième retraite spirituelle, la zone de Bakou, très vite, à Tabou. CMCI, après le brisement de liens, le Seigneur fait beaucoup. Beaucoup. Quand je regarde mon mari, souvent je lui pose la question, mais comment toi tu t'es arrangé à changer radicalement? Parce que pour lui, là, ça n'a pas mis du temps. Après le brisement, j'ai vu un grand changement. Souvent même, il arrive des jours où je ne me sens pas bien, je vais aller à l'hôpital, dire non, reste, moi je t'impose les mains. Acclamation. Il m'impose les mains. Quand il est matin, je vous assure que automatiquement la maladie quitte. Même souvent, il arrive des fois où je suis fatiguée, je dors, je suis réveillée. Quand je le regarde, je dis, mais toi-même, tu es qui? Tu ne dors pas. Une heure, je soulève la tête, il est là, il prie. 2 heures, il prie. Toi, je lui demande, mais tu ne dors pas? Il dit, tu es fatigué, dors, moi je prie pour toi. Souvent, même je dors, il m'impose les mains. Il prie jusqu'à... Hé, Seigneur, la maison devient glacée. Il dit, souvent, même je me réveille, je dis, non, dors, que moi je prie au moins 1 heure, 2 heures. Toi, dors, repose-toi. Vraiment. Après le brisement, ce que le Seigneur, vraiment, si je vais tout étalonner, on ne va pas commencer. Le Seigneur a beaucoup fait. Je dis merci au Seigneur pour la vie de mon époux. Dis merci aussi pour la vie de papa Mian et papa Boniface. Parce qu'il fallait qu'il soit là pour que nous puissions connaître la CMCI. Vraiment, je veux lui rendre toute la gloire. Lui dis merci de ce que, jusqu'à aujourd'hui, il faut dire que c'est quelqu'un qui vient d'arriver, mais elle a fait 2 fois 40 jours complets. Je dis, les sujets nous viennent un peu de partout. Prie pour moi, prie pour moi. Les gens rappellent pour dire, vraiment, il y a eu les retombées, il y a eu des guérisons. Donc, quand on passe comme ça, quand on sort, les gens disent, pasteur, pasteur, prophète, vraiment. Ah, maman, pasteur, et pasteur. Donc, je demande à maman, donc, quand tu as plus de travail, tu deviens pasteur. Il dit, c'est ce que si Dieu décide ainsi, je serai pasteur. Donc, vraiment, je veux lui dire merci pour ce changement, pour cette transformation. Pour tout ce qu'il a fait de bon dans nos groupes, que toute la gloire lui revienne. Amen. Mon témoignage est relatif à la retraite des groupes, mais pas les conseils. Amen. Quand je me suis marié avec mon épouse, nous avons vécu un moment très difficile. Pourquoi? À cause de mon neveu et le fils de mon beau qui vivait avec nous. Après 6 mois de mariage, c'était difficile de disputer, surtout sur les enfants. Et un jour, je me suis approché du pasteur. Quelque chose s'est passé.
un événement s'est passé entre moi et mon épouse. Et j'ai appelé le pasteur et il est venu. Et il nous a apporté des conseils. La semaine qui a suivi, lui-même dans la voiture a commencé à me porter des conseils. Qu'est-ce que tu écoutes beaucoup ton épouse? Honnêtement, il a dit que je ne l'écoute pas. Il m'a dit, il faut l'écouter. Si elle parle, écoute-la attentivement. Et si tu penses que c'est difficile pour lui donner la réponse, dis-lui que tu as compris et tu médites. J'ai écouté les conseils. Un jour, elle me réveille à 4 heures. Elle dit, est-ce que tu as médité? Tu ne médites pas? J'ai dit, je vais méditer. Comme je fais d'habitude. Et mon esprit a saisi cette parole du pasteur qui dit, écoute ta femme, si elle te parle. Je me suis levé, je me suis assis. Quand j'ai fini de méditer, le lendemain, le pasteur m'a demandé, j'ai dit le lendemain, tu as eu à causer avec ton épouse. Il dit, bon, on n'a pas causé, mais elle m'a parlé. Il dit, tu sais, le cœur de l'homme est comme un poste radio. Quand tu veux écouter le poste radio, tu choisis les fréquences que tu veux. Si tu n'aimes pas la fréquence, tu fais quoi? Tu changes. Alléluia. Cette parole, je l'ai saisie. Et quand j'ai commencé à m'adapter et à écouter mon épouse, mon neveu et mon beau étaient là, plus ma nièce et ma petite fille, le petit, sa fille était là. Nous n'avons plus jamais discuté jusqu'à ce jour. Alléluia. Mes disputes se sont arrêtées. Quand elle me parle, je l'écoute. Mais seulement ce qu'elle n'a pas apprécié, c'est que quand il y a des anniversaires, vraiment, je ne sais pas, mais quand j'étais enfant, je n'ai pas fêté les anniversaires. C'est difficile. Donc, c'est à la première retraite des anciens qu'elle a osé, des couples, à ma couple, que j'ai pris acte par le conseil de l'ancien mien. Depuis ce jour, je n'ai plus oublié la date et je n'oublierai plus la date. Donc, voilà ce que je voulais partager. Que Dieu vous bénisse. Je suis le pasteur à Kaou et je suis disciple du pasteur Béné. Je suis co-dirigeant dans la zone de Makori, Trècheville, auprès du pasteur Mian Jean-Claude qui est le dirigeant spirituel de notre zone. Alléluia. Amen. Et notre première retraite, en tout cas, ouvrir mes yeux sur beaucoup de choses. Moi, j'appelais ça les détails. Les histoires d'anniversaire. Moi-même, j'ai le problème à ma date de naissance. Donc, je me demande, c'est des choses qu'on écrit en médecine, à force d'étudier. Donc, il y a des choses que j'ai dit, je ne mets pas dans ma tête. J'écris sur un papier, ça est là. Si tu me demandes, je sors. Tu vas me donner ma date de naissance, je vais sortir ma carte d'identité et puis je vais te montrer. Je dis, c'est des choses que je ne peux pas retenir. Donc, je n'ai pas retenu la date de naissance de mon épouse, je ne sais pas, la date d'anniversaire. Et le pasteur vient nous a donné son témoignage et il nous a demandé aussi qu'on ne néglige pas les anniversaires. Donc, je ne suis pas allé directement pour lui demander. Tu es né à Thomas Radan. On a causé tout. Et elle
descendre. J'ai pris donc un calendrier et j'ai noté. Donc j'ai ça en tête. Et cette année, j'ai décidé que c'est une date qui ne va pas passer inaperçue. Alléluia. Donc, je me suis préparé en conséquence. Donc, quand j'ai mis, je ne sais pas comment je vais faire pour ne pas qu'elle sache que c'est ce que je veux faire. Donc, dans notre budget familial, j'ai mis Annie. Hey, mais qui est Annie là? Il y a des choses, on ne sait pas tout, il faut savoir. Alléluia. Donc, actuellement, Annie est là, on s'est passé. C'est pas des détails, c'est des choses qui renforcent les liens. Et puis, deuxièmement, elle-même, c'est devenu comme une rhétorique. Elle dit que le jour où tu vas m'écouter, tu sais que tu vas éviter beaucoup d'erreurs. Et franchement, j'ai appris, je commence à m'inscrire à l'école pour écouter ma femme. Parce que même quand on est en train de conduire, tout ce qu'elle anticipe, qu'elle dit, si je force, on a toujours des problèmes. Je me suis dit que ah, pour moi-même, mon propre pied, ma vie, il faut que j'écoute celle que Dieu a mis à côté de moi. Ce n'est pas parfait. Je ne réussis pas tous les jours. C'est difficile, mais je sais que ça va aller par la grâce de Dieu. Et je me suis dit que, et elle-même me répète, elle dit que tu crois que je peux te donner un mauvais conseil? Mais si je te donne un mauvais conseil, qu'il y a un problème, qui a le problème? Donc, je me suis fait un état, j'ai écouté. Et je dis que ce n'est pas facile, mais je vais m'y mettre. Donc, voilà ce que je voulais partager, que ça a apporté hein, à notre couple depuis notre première retraite. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. La première retraite a produit des choses, j'allais dire, formidables et extraordinaires dans mon couple. Je vais inviter mon épouse, la sœur Charlotte. Si j'ai dit quelque chose qui n'est pas vrai, elle va me taper. Et depuis un moment, il y avait un moment où à la maison on vivait vraiment beaucoup de difficultés de tous ordres. Et ces difficultés, surtout financières, je ne sais pas, pour moi ça donne un stress pas possible. Et quand c'est comme ça, il n'y a plus de communication, il n'y a plus rien. Et c'était devenu comme des étrangers. Alors que mon épouse et moi n'avons pas cette habitude. Après, c'était devenu difficile. Les choses les plus simples étaient les choses qui irritaient. Ça dit même, ce qui ne doit pas irriter quelqu'un va t'irriter. Et puis, cette retraite est venue. Il y a eu un petit quelque chose là. Et puis, bon, quand le pasteur dit souvent, tu laves et puis le soir, et l'autre pousse un pied comme ça, tu veux qu'on te touche un peu, mais tu ne veux pas faire. Et à cette retraite-là, frère, Dieu nous a délivrés. Quelques jours avant, le Seigneur m'avait parlé. Et le Seigneur m'a fait cette révélation-là, pendant la retraite, juste après la retraite. J'avais déjà lu ça, je savais, mais c'est d'une façon révélationnelle. Pour dire, mais cette dame-là, c'est toi-même. Ton épouse, c'est toi-même. Quand tu boudes, tu dis que tu es fâché, là, tu es fâché avec toi-même. Si tu dis que tu ne vas pas pardonner, tu ne pardonnes pas à toi-même. Si elle souffre, tu penses que c'est elle qui souffre, mais c'est toi qui souffres. Donc si tu continues comme ça, tu es un insensé. Mais Dieu m'a dit, une voix qui est entrée. Et puis c'est. Et puis quand j'ai dit, mais c'est vrai, mais c'est moi-même. Frère, depuis ce jour, mon épouse est là pour témoigner. C'est devenu, je n'ai pas dit un arbre de paix, mais
les choses sont redevenues comme au temps des fiançailles. Et je bénis Dieu à cette retraite. Dieu a permis même que devant les frères, je puisse se lever pour dire, ah frère, vraiment j'étais méchant, j'avais fait du mal à ma femme. Voici, voici, voici. Je sentais que j'avais déjà causé avec elle. Mais je sentais dans mon âme que je parlais que je le dise publiquement. Que je dise publiquement et que je restaure ma femme publiquement. Alléluia. Amen. Et après, j'ai vu en elle quelque chose de transformé, un bien. Comme les blancs disent, un bien fou. Vraiment, et ça a réglé tous les problèmes. Je veux dire merci au Seigneur qui, au cours de cette retraite-là, nous a vraiment bénis. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et la plupart des choses qu'on dit sur le couple et le mariage sont des choses communes de tous. Et chacun en a eu une philosophie pour les gérer, pour les vivre. Mais seulement l'épreuve du temps arrive à déconnecter certaines personnes. Comme c'est une affaire de vie, ce n'est pas une semaine. Si c'était des contacts d'une semaine, tout serait parfait. Parce que chacun a eu à manifester de l'intelligence d'une façon ou d'une autre. Mais comme c'est une affaire de longue durée, ça éprouve, ça teste, ça évalue, ça te met sous pression et à long terme. Si on ramenait chacun à quelques minutes de la vie du couple, selon son souvenir, vraiment la joie, il y aurait des cris de joie, des chants d'allégresse. Quand j'ai médité sur le mariage, je me suis dit, c'est la plus grande relation d'intimité sur la terre. La femme doit tout faire pour décider de travailler pour le succès du mari. Tout faire. On ne doit même pas l'exhorter pour cela. C'est un poste, c'est une nomination divine. Elle doit le faire par amour pour Dieu, par crainte de Dieu. C'est comme la relation disciple faisait disciple. Qu'est-ce que la Bible dit? Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. Quand tu vois un homme qui te suit, faut faire attention. Ça vient de loin. C'est-à-dire, ça vient d'une décision divine. Pour que cet homme soit heureux, il faut qu'il remarque que tu crains Jésus. Et ça, nous sommes ensemble. Essayez de vérifier vous-même. S'il y a une crise entre toi et un frère, pour résoudre la crise, qu'est-ce que les frères vont faire? Ils vont te rappeler que c'est Jésus, c'est son œuvre, il faut accepter. Et parce qu'on dit que c'est Jésus, et parce qu'on dit que c'est son œuvre, c'est sa gloire, tu laisses. Tu laisses. Et tu es heureux parce que tu laisses au nom du grand roi. Donc ce n'est pas une subordination servile que quelqu'un peut utiliser pour se vanter que tu vois telle personne me suit. C'est des dons de Dieu. C'est-à-dire, on doit remercier Dieu. La femme et le mari sont des personnes que Dieu a unies. Pour les croyants, c'est merveilleux. Même quand on dit que les maris fidèles,
La femme ne te trompe pas. Pourquoi? C'est à cause de Christ. Et ton mari ne te trompe plus. C'est à cause de Christ. Tu es sûr que ta femme ne va jamais t'abandonner. Pourquoi? Parce que tu sais qu'elle croit en Jésus. Quand on dit Jésus, tout le monde s'arrange. À cause de Jésus, tu dois tout faire pour que ton mari réussisse. Même s'il n'est pas reconnaissant, même s'il ne comprend pas, même s'il ne voit pas, à cause de Christ. Et le mari doit tout faire pour que sa femme soit heureuse. C'est comme les gens qui travaillent dans une entreprise. Le patron est assis dans son bureau. Il conçoit des objectifs. Il écrit des grands objectifs. Il t'appelle, il te communique. Il dit, je veux les résultats. C'est une pression qu'il met sur toi, qui t'enlève la paix et le repos naturel. Mais dans le monde, les hommes sont intelligents. Quand ils te pressent, après ils te donnent une voiture de service. Tu penses qu'on t'aime. C'est pour faire son travail. Donc il te rend joyeux. Il n'a rien fait, il te rend joyeux. C'est tout. Et tu travailles comme un fou. Tu dis, mon patron m'a donné une voiture de service. Tu es content. Mais si on retire cette voiture, si tu discernes que c'est par astuce et par ruse qu'on veut t'opprimer, tu vas te révolter. Tu ne seras plus heureux. À la fin de l'année, on dit que les enfants des employés viennent, les cadeaux. Quand les petits-enfants ont des jeux, même si c'est des faux jeux, les parents sont contents. Ils s'engagent au travail. La société produit et devient riche. Et le patron est content. Toi qui sais que ta femme travaille pour ta gloire, pour ton succès, rends-la joyeuse. Apprends à dire merci. Ça, c'est le niveau 1. Apprends. Alléluia. Amen. Si elle a réussi à se coiffer ou bien à s'habiller, dis-lui que ça, c'est joyeux. C'est pour toi qu'elle fait ça. Rends ta femme joyeuse. Son travail sera facile. Occupe-toi un peu de sa mère, de son père, de ses frères. Que personne ne vous trompe. Les relations familiales ont été établies, définies par Dieu. De telle sorte que dans l'ancienne alliance, honorer son père et sa mère attirait une longue vie. Dieu bénissait tout ce qui accordait à leurs parents l'honneur. Ce n'est pas la moralité. Ce que Dieu ne veut pas, c'est que tu caches à tes parents que tu es l'esclave de Jésus. Quand tu caches à tes parents que tu es l'esclave de Jésus, ils vont te demander des choses et tu ne vas pas leur expliquer ce qui t'est arrivé. Et ils ne comprennent pas. Partout où ça a été bien expliqué, les parents, au début, se sont opposés par ignorance. Après, ils se sont convertis. Donc, le mariage est une relation de plus haute intimité et d'une exigence de la plus haute complicité. Fais tout pour qu'il n'y ait personne qui entre parmi vous pour vous séparer. Donc, c'est une relation de justice et de vérité. Quand un conjoint conçoit un doute, c'est très dangereux. Quand un mari pense que sa femme l'a trahi, c'est très sérieux, très grave, et c'est vice-versa. Quand une femme pense que quelque part son mari est astucieux, rusé, son repos disparaît, sa joie disparaît. Pour cette raison qu'il faut beaucoup partager, beaucoup discuter. Il faut éviter les plaisanteries. Vous savez,
certains petits-enfants sont dirigés par les plaisanteries. Là, on entend, tu t'as apporté les biscuits, alors que ce n'est pas vrai. Tu vas, tu reviens sans biscuits. L'enfant, bon. Mais tu fais ça à ta femme, c'est sérieux. Quand tu dis, tu as un cadeau, ça fait 5 ans, tu as un cadeau. Comme les petits-enfants, tu auras un cadeau. Il y a, et puis, il n'y a pas de cadeau. Elle doute de ton intégrité. C'est vice-versa. Dès qu'il y a un doute, dès que quelqu'un conçoit un doute, il y a quelque chose qui se brise. Le premier objectif d'un mariage, c'est de fonder un foyer. C'est là l'origine de toutes les familles. Parce que c'est ce couple-là qui va faire des enfants par deux voies. Soit que ce sont des enfants biologiques, soit que ce sont des enfants adoptifs. Donc, c'est le foyer, c'est le couple qui initie la formation des familles sur la terre. Soit par des enfants que tu as eu avec ta femme, soit par des enfants que vous avez adoptés d'un commun accord. Et l'adoption est une chose divine et réelle, biblique. Même les gens qui ont des enfants biologiques peuvent décider d'adopter un ou deux enfants qui auront les mêmes droits et les mêmes privilèges. Mais c'est possible, selon Dieu, par les foyers. Les foyers. Bibliquement constitué, l'homme quitte son père et sa mère, s'attache à sa femme. Le mariage est le premier cadre pour travailler le caractère de l'homme. Après le mariage, c'est la vie dans une église locale. Et dans le mariage, moi je te dis, il faut aimer, il faut supporter, il faut servir, il faut faire ceci, il faut être patient. Après ça, si vous êtes dans une église locale, il faut aimer les frères, il faut servir les frères, ainsi de suite. Vous notez ceci. Ne plus supporter son conjoint pour une raison ou pour une autre est une grande trahison. Les païens ils mentent. Pour le meilleur et pour le pire, on acclame, on essaie de mentir. Mais un enfant de Dieu, c'est sérieux que vous êtes unis pour toute la vie, pour servir Dieu dans la joie, dans les larmes, dans les tribulations. Et tu fais des promesses sérieuses à la personne. Et après, tu trahis. La personne peut devenir pauvre. Et tu lui verses tout le mépris maintenant. Parce qu'il n'a plus rien. Parce que si c'est un mari, il a perdu la proie. Les honneurs qui t'inspiraient la soumission sont finis. Vous connaissez la plainte de Job. Il dit qu'il appelle même ses serviteurs, ils ne répondent plus. Il est dans la détresse. Les gens qui l'admiraient le méprisent. Sa femme vient dire, maudit Dieu, il meurt. À ce moment-là, la femme doit rester fidèle. Même en cherchant des solutions pour améliorer les rapports sexuels, il faut le faire dans une extrême intimité et confiance. Nous enseignons que si les gens se marient, par exemple, et après 3 mois, l'homme n'a aucune capacité de connaître sa femme dans l'intimité, les anciens vont l'aider à trouver des solutions, la prière, les délivrances. C'est déjà incorrect parce que ça doit se résoudre pendant que les gens sont à l'école. Il faut dire aux enseignants de l'école, des fiancés, que j'ai un problème. Parce que nous, on posait des questions. Quand on dit, c'est comment, mon fils? Il dit, non, je peux, je peux. Donc, tu peux aller là-bas, on dit oui. Et puis, on vous libère. S'il y a des petites difficultés, tu signales. Si
ça commence bien et qu'à l'intérieur il y a des difficultés, il ne faut pas faire de ça un gros problème. Il ne faut pas que tu t'irrites, tu l'insultes, tu ne prépares plus, tu sors, tu écoutes la musique mondaine. Quand tu vois quelqu'un passer, tu regardes pour qu'il ait mal. Là, c'est une autre taille. Et quand c'est sérieux, même vous deux, vous pouvez venir voir le pasteur. Nous avons un problème. Et la complicité ne doit pas être l'encouragement dans l'obscurité. Que tu dis à ta femme, ne dis jamais ça à quelqu'un. La femme te dit, paye la dîme. Tu dis, hey, ne me trahis pas. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. C'est-à-dire que vous êtes ensemble, même les difficultés comme mon mari infidèle ne paie pas les dîmes, vous discutez. S'il dit qu'il a lu un verset, tu dis allons expliquer ça à l'ancien. Quand on dit complicité, ça ne veut pas dire qu'on manque de transparence. Complicité, c'est que ce que nous sommes entendus de faire, il ne faut pas changer après. Un mari peut retrograder. Il commence à faire en sorte que sa femme n'obéisse à personne. Il faut éviter ça. C'est pour ça que je parle de complicité. Parce que si on est dans le cache-cache, au niveau des couples, l'église est tombée. C'est fini. Parce que ce sont les foyers solides qui font la force d'une église locale. Un monsieur est devenu dépressif. Pourquoi? Parce que il avait vendu sa maison. La femme n'était pas au courant. Et on a envoyé une lettre de sommation pour que la maison soit libérée à une certaine date. La femme n'est pas au courant. Ça commence à souffler dans sa tête. Femme, la dame vient m'appeler. Donc mon mari est devenu fou. J'arrive. Les pieds sont suspendus. La sueur est partout. Seigneur, prends-moi en douce. Seigneur, prends-moi en douce. Prends-moi en douce. Prends-moi en douce. Prends-moi en douce. Ça, c'est possible. Il dit que la dame, une fois qu'il lui dit que si tes pieds touchent le sol, là, tu meurs. Il dit non. Touche le sol, tu ne vas pas mourir. Elle dit non, non. J'ai dit touche le sol, pose tes pieds sur le sol, tu ne vas pas mourir. Il a posé. Il tremblait. C'est après qu'il dévoile qu'il a vendu la maison. Et il a peur. Alléluia. Tu commets une bêtise. Dis à ta femme. Parce que tu peux poser un acte dans un état dépressif. Après 3 minutes, tu commences à regretter. Ne cache pas, dis. Elle peut te sauver. Il y a un comédien français qui disait, les femmes aiment à sauver les hommes qu'elles aiment. Je me suis dit, mais un païen comme ça connaît les choses. Quand une femme, des femmes que vous voyez, nos sœurs là, et nos épouses, pour certains c'est ton époux, pour nous autres c'est notre sœur. Quand une femme aime quelqu'un, on te met en prison un petit que j'aimerais m'en voir à la salle. Tu la trouves là-bas, là. Tu penses qu'elle ne va pas arriver. Et puis tu la trouves devant à la salle. Qu'est-ce qu'il y a, madame? Bon mari. Et en prison. Alléluia. Ça, c'est quand elle aime. L'amour, ce n'est pas la sexualité. Il y a eu une année, parfois j'allais dans le au palais de justice. Je vais, je m'assois, j'écoute les procès. Une chose m'a frappé, tu peux voir un monsieur qui est dans une grosse voiture, qui attend une femme qu'un autre monsieur est en train de chasser, de divorcer. Une femme qui est belle, selon les critères du monde, et dans le palais là-bas, on est en train de la chasser. Un monsieur a garé la voiture. Elle attend cette femme qu'on chasse.
Vous voyez que le monde n'est rien. Donc, l'amour n'est pas la sexualité. Les animaux pratiquent la sexualité. L'amour, c'est le don de soi, joyeusement. Donc, tu peux trouver quelqu'un qui donne sa vie pour que l'autre soit heureux. C'est pour cette raison qu'on pardonne, pour que la culpabilité n'écrase pas ton frère. Il ne faut pas faire des choses sans comprendre. Que quelqu'un lise pour nous Tite chapitre 1, verset 1. Tite chapitre 1, du verset 1 au verset 3. Je lis la parole du Seigneur. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu notre Sauveur. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons, quand on dit le frère innocent, le frère de Gonzague servent Dieu, ou bien le frère Miam, tout le passé lié, qu'on enseigne sur, on prend une retraite sur le mariage. Toutes ces choses reposent sur une seule chose. C'est quoi? C'est l'espérance de la vie éternelle. Il ne faut pas dévaluer notre travail. Tu supportes parce que Dieu t'a dit. Tu verras ma face un jour. Tu es calme comme un lâche, un fou, parce que Dieu t'a promis la vie éternelle. L'enseignement, la recherche de la connaissance de Dieu, toutes ces choses reposent sur l'espérance de la vie éternelle qui nous a été promise depuis les temps anciens par un Dieu qui ne ment jamais. Nous aurons des récompenses pour avoir servi d'une certaine manière. Mais ce qui est malheureux, c'est que cette dimension de l'évangile n'accroche plus les hommes. Certains ne peuvent obéir que quand tu dis, si je suis avec toi, les sorciers ne peuvent pas t'attaquer. Là, ils ont une motivation. Il ne faut pas rabaisser l'évangile. Ce qui nous attend est plus grand que ça. Il dit, je suis serviteur de Dieu et je suis apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus. C'est-à-dire, Dieu m'a nommé pour que j'enseigne aux élus la marche par la foi. C'est ça le plan. Dieu a confié à Paul. C'est par lui que nous savons que dès que quelqu'un donne la vie à Jésus, il est sauvé. Il peut maintenant abandonner les œuvres mortes et marcher avec Dieu, servir Dieu. Sinon, on allait nous ramener dans le judaïsme. Il est resté fidèle à la vision que Dieu lui a donnée. Et c'est la même chose qu'il avait déjà dit dans 2 Timothée chapitre 4, au verset 1. Il dit, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition, et au nom de son royaume, prêche la parole, insiste à toute occasion favorable au nom. Reprends, censure, exhorte avec toute douceur en instruisant. Qu'est-ce qu'il veut dire, Timothée? Quand tu prêches là, mets dans ta pensée que tu prêches au nom de quelqu'un qui revient bientôt. Et ça aiguise sa prédication. Ça lui permet de demeurer dans la vérité. Même si tu as des problèmes, ne regarde pas tes problèmes, mais tu t'aides. Prêche même quand tu souffres. Une petite tribulation, tu viens, tu te couches, tu ne salues pas ta femme. Tu dis, il y a des problèmes dans l'œuvre. Même s'il y a des problèmes dans ton ministère, cause avec ta femme. Notons ceci. Aquila et Priscille. C'est un couple que la parole de Dieu nous présente. Et ma prière est que nous puissions être comme, que chaque couple soit comme Aquila et Priscille. Quelqu'un dit pour nous, acte. Chapitre 18, verset 1 à 3. Actes, chapitre 18, du verset 1 au verset 3. Je lis la parole du Seigneur. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe.
Il y trouva un juif nommé Aquilas, originaire du pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome. Il se lia avec eux. Et comme il avait le même métier, il demeura chez eux. Et il travailla. Il était faiseur de tente. Lis le verset 18 et 19. Acte 18, verset 18 à 19. Paul resta encore assez longtemps à Corinthe. Ensuite, il prit congé des frères et s'embarqua pour la Syrie avec Priscille et Aquilas. Après s'être fait raser la tête à Sancré, car il avait fait un vœu. Ils arrivèrent à Éphèse et Paul y laissa ses compagnons. Étant entré dans la synagogue, il s'entretint avec les Juifs qui le prièrent de prolonger son séjour. Amen. Donc, ils étaient aussi des compagnons de Paul dans le ministère. Donc, Paul les estimait beaucoup. Lis pour nous 1 Corinthiens 16, verset 19. Les églises d'Asie vous saluent. Aquilas et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison, vous saluent beaucoup dans le Seigneur. Amen. Vous voyez, ils sont très présents dans le ministère de Paul. Il y a même une église dans leur maison. Vous notez qu'à Éphèse, ils rencontrèrent Apollos. Lis pour nous, acte 18, verset 26. Ils rencontrèrent Apollos et complétèrent sa connaissance sur la doctrine du salut par la foi en Jésus-Christ. Acte 18, verset 26. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, d'ailleurs entendu, le prit avec eux et lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. Ce n'est pas un couple fleque-fleque. Ils connaissent la doctrine de Jésus. Ils connaissent les Écritures. Ils connaissent Jésus. Et ils servent à Dieu. Leur engagement est un engagement sérieux auprès d'un grand apôtre. Et le Saint-Esprit veut qu'on les cite toujours à deux soudés. Aquila et Priscille. Alléluia. Ma prière, c'est que les couples qui sont ici aujourd'hui soient des Aquila et des Priscille. Amen. Amen. Vous voyez, d'une façon soutenue. Et il est, selon certaines notes historiques, il serait retourné à Rome. Et l'apôtre Paul leur envoie des salutations. Romains 16, verset 3. Romains, chapitre 16, le verset 3. Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ. Ici, ils ne sont plus à Rome. Paul écrit de Rome maintenant, il salue les gens et leurs noms sortent toujours. Nous devons être des Aquilas et des Prisca. Des gens qui sont capables de prendre quelqu'un qui ne comprend pas les Écritures. C'est-à-dire un couple, quand je dis les gens, un couple. Les deux, hein, pas que le mari a pris, les deux ont corrigé la doctrine qui était dans la tête d'Apollos, avec les insuffisances, ils ont corrigé à Dieu. Sans jalousie, sans rivalité. Il y a des couples, le mari dit ceci, quand la femme arrive, dit sa part. Si tu dis, maman, le père est mort. Tu ne m'as pas appelé aussi, papa, pourquoi? Donc, on sent le conflit dans le foyer. Nous devons être les Prisca, les Aquilas et les Prisca. Cette phase même du travail fait sur Apollo, ça m'a beaucoup plu. Les deux. Ce n'est pas pour rien que le Saint-Esprit
récite les deux. Est-ce que nous sommes ensemble? Dans le livre qui va sortir sur la vie et le fonctionnement des églises locales, nous allons parler de ce couple dedans. Que une église vit quand les couples vivent. Que personne ne vous trouve. Les couples jouent un grand rôle, sont des facteurs de stabilité dans une église. Donc il faut tout faire pour que la vie de Jésus lui-même soit vécue dans les couples. Et pour que la vie de Jésus soit vécue, il faut que les regards soient toujours sur Jésus et sur l'espérance. Quelqu'un dit pour nous, Hébreux chapitre 12, versets 1 à 4. Hébreux chapitre 12, du verset 1 au verset 4, nous lisons la parole du Seigneur. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Voici le type de persévérance que le Seigneur nous demande. Quand tu penses à la gloire à venir, tu tiens ferme, tu supportes la croix. En vue de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix. Il a méprisé l'ignominie. Il a dit, ça ne fait rien. La honte et moi, ça m'est égal. Parce que j'entre dans ma gloire bientôt. Soyons des couples spirituels. Faisons tout pour la gloire à venir. Il y a les bénédictions dans le siècle présent, c'est vrai. Mais nous ne gagnons rien à travailler pour les bénédictions du siècle présent. Ça vient comme des cadeaux. Il y a des gens à qui Dieu donne ces choses-là sans qu'ils aient même prié. Si nous rabaissons le niveau de notre foi, Dieu va nous traiter à ce niveau-là. Si nous élevons le niveau de notre foi, Dieu va nous élever. Alléluia. Travaillons pour la gloire qui nous attend. C'est ça qui peut produire des couples stables. Ou si le mari te donne un conseil, si tu fuis pour interroger la femme secrètement, tu entends le même conseil. Alléluia. Si le mari te dit, on est sauvé par la foi en Jésus. Si tu te caches même là, tu interroges la femme et tu dis que ce n'est pas la foi en Jésus-Christ. Pourquoi? Ils ont échangé beaucoup. Le culte familial, l'étude de la parole ensemble, le partage sur les révélations, le témoignage. Quand je dormais, j'ai une vision. Tu dis à ton mari, il ne faut pas que ton mari est là. Et puis un disciple dit, la vision de papa là vraiment m'a touché. Quelle vision? C'est le petit là qui commence à raconter à ta femme. Et ton mari a eu une grande vision. Il nous a partagé à l'assemblée. La femme ne connaît rien de tes révélations. Tes disciples racontent ça dehors. Quand tu as une révélation, tu donnes à ta femme. Alléluia. Et tu lui expliques ta compréhension de cette révélation. Tu crées l'intimité et la complicité. C'est
pour ça que je vous ai dit que la complicité n'est pas un acte de manque de transparence ou de cache-cache. C'est que vous avez tout en commun, en esprit, en vérité. Alléluia. Ce verset de titre-là, j'ai déjà partagé ça avec maman Colette. Toute révélation, tout ce que Dieu te donne, paye le prix pour être un Aquila. Vous voyez, la sœur a rendu témoignage de son mari. Il a dit même qu'elle lui dit que pardon, laisse-moi aussi, je prends même une heure là, après tu vas faire. Non, je prie. Est-ce que nous sommes ensemble? Mais prochainement, il faut lui dire que lève ton prix. Pourquoi? Parce que ça fait des partitions en même temps. C'est après avoir prié, comme elle dit là, une heure, tu peux lui dire maintenant, va te coucher, comme Jésus a fait. Il dit, priez avec moi même une heure. Après, il rentre prier ça. S'il vous plaît. Parce que c'est là que se trouve souvent le problème. Quand l'homme dort, il n'a pas de vision, il n'a pas d'ambition. Il détruit la femme. Si on prend la même femme, on la donne à quelqu'un d'autre. La tête tremble. La plupart des prières, implanter les églises, prier pour les frères, tout ça, on a fait ça à deux. Avec maman, on était deux, depuis le Cameroun. On prend une carte, on les pose des mains. On dit, donne-nous les Dabakala, les Kachola, les Ferke, ces trucs-là, on connaissait ces noms-là. Donc ça fait que, à un certain moment, c'est comme si vous avez le même cerveau. Parce que vous avez les mêmes révélations. Tout ce que le frère a enseigné, je suis assis, elle est assise. Tu lis un livre, ça te touche, tu partages. Chaque époux doit se dire, il faut que je sois le maître de la maison, le sacrificateur. Est-ce que nous sommes ici? Nous avons besoin des Aquila et des Prisca. Des couples dynamiques. Il y a des sœurs à qui j'ai dit, donne-nous un ancien. Certaines personnes vont devenir des anciens par l'action de leur femme. Ils peuvent lui dire que je ne veux pas marier fleque. Lève-toi un peu comme les autres. Si tu fais ça, tu as donné au monde un ministre. Et notre œuvre a commencé à Marco. Si peut-être Dieu veut révolutionner le couple, ça peut être prophétique. Qui commence par Marco. Des Aquila et des Prisca. Si tu es un homme, que tu m'écoutes, c'est l'appel que Dieu te lance. C'est l'homme qui doit organiser la croissance spirituelle de sa femme. Au contraire, n'est qu'une confusion. Le frère Zard disait que quand la révolution vient des pieds, elle prend n'importe quelle direction. Mais quand elle vient de la tête, elle descend dans tout le corps. Imaginez une influence qui veut entrer en moi et qui commence par les pieds. Et puis entre par les mains. Mais si ça vient du haut, là, ça touche tout le corps. Si tu verses l'eau sur ma tête, là, ça va couvrir tout mon être. Si tu verses l'huile, là, ça va couvrir tout mon être. Mais si tu pompes l'huile des pieds vers le haut, là, c'est incongru. Chaque homme va dire à Dieu,
je vais être un archive. Quel est cet homme qui a marqué la vie de Paul ainsi que sa femme? Comment il a fait? Je me demande même si sa femme ne savait pas fabriquer des tentes. Et nous bénissons le Seigneur pour ceux qui sont déjà engagés pour être des acquis. Mais tous doivent l'être. Seigneur, nous te disons merci. Et nous te rendons toute la gloire. Tu as institué cette retraite. Tu as institué cette retraite parce que tu as de grands projets pour nous. Tu veux au milieu de nous des Aquilas et des Priscilles. C'est vrai qu'il y en a, mais tu demandes que ce soit en abondance. Que ce soit en abondance, un grand nombre pour faire fonctionner ton œuvre comme il se doit. Je te dis merci, ô notre Dieu, notre Père, parce que tu parles et tu ouvres mon esprit pour comprendre que je dois être un Aquila et mon épouse une Priscille. Merci parce que tu me dis, là où je suis, elle doit être là pour impartir ce que je reçois en elle. Je te dis merci parce que, ô notre Dieu, notre Père, tu fais de moi ce matin un Aquila. Tu fais de mon épouse une piscine. Parce qu'à cause de nous, l'œuvre peut marcher aussi. À cause de nous, nous pouvons aller de l'avant. Fais fonctionner ton œuvre là où tu nous as placés. Je bénis ton nom. Je te rends toute la gloire. Je prie, Père, qu'il soit ici, dans la vie de tous les couples ici. Qu'il soit ainsi pour chaque frère. Qu'il soit ainsi pour chaque sœur. Que nous ressortons d'ici, étant renouvelés et ayant brassé la vie d'Aquila et la vie de Priscille. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Merci pour cette grande vérité, cette révélation que tu nous accordes ce jour sur la vie d'Aquilas et Priscille, qui était d'une grande complicité à faire avancer l'œuvre et un couple que Paul a cité à chaque fois qu'il visitait les églises. Seigneur, je comprends que je dois être un Aquila. Un Aquila, le fait de ma femme Priscille. De sorte à ce que, ô notre Dieu, que à partir du modèle que nous allons déposer, que cela est bâti dans la vie de chaque couple à ma propre. Ô Seigneur, merci Seigneur de ce que tu veux à partir de cette retraite apporter la révolution dans nos vies. Nous plaidons notre Dieu que chacun de nous saisisse ses paroles comme un cadeau venant de ton trône. Afin que, ô Dieu, au sorti de cette retraite, que nous serons des couples, des foyers solides, stables pour l'avancement de ton œuvre. S'il te plaît, accorde-nous cette grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen.